Du 3 au 16, c'est comment une résidence dans le dôme et où je crée, où j'installe, je crée, je dessine sur les murs, etc. Et après, il y a l'exposition qui va rester un peu plus longtemps. Et il y a le vernissage aussi le 18 janvier à 18h. Il y a donc une installation artistique avec une cabane et présentation de dessins et de tableaux dans le hall du Dôme Théâtre. Et intervention graphique sur les murs du Dôme. En fait, je me réapproprie le hall à ma sauce, entre guillemets. Je fais des tableaux, alors que ce soit sur toile ou sur papier, que j'encadre. Puis je fais quelques fresques aussi. Baignant un peu dans la culture glisse, dans l'univers de la montagne, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se réapproprier un peu cet univers et de créer autour de ces thèmes qui me tiennent à cœur et qui m'inspirent. Alors à la base, je dessinais à l'encre de Chine, mais l'encre de Chine, avec le temps, elle sèche et elle s'en va, elle s'écaille. Du coup, j'en suis venu à dessiner qu'au feutre, ouais. Feutre noir, rapidement, des encres rapidement. Et ça reste et ça ne part pas. Et toute la cabane a été faite à partir de matériaux trouvés soit à la déchetterie, soit en vidant des granges ou en vidant que des matériaux de récupération. Le but, c'était voilà, c'était de recycler et toujours dans le même esprit de la photo à grain, de la patine du temps, etc. C'était aussi l'idée de donner au bois et à cette cabane une texture aussi, un grain, enfin un vécu quoi. C'était pas faire ça avec des belles planches toutes neuves, ça n'aurait pas le même effet que ce qu'il y a maintenant. En fait, c'est ce contraste entre, je trouve que les dessins noir et blanc vont bien avec les objets un peu vieux, anciens. Je trouve que l'ancien met un peu de valeur au dessin et inversement. Je trouve que la confrontation entre les deux est assez intéressante et c'est ce qui me plaît, donc c'est ce que je fais.